respect the honor. Dieu doit honorer, respecter and salute it. Et saluer avec respect la personne qui donne. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So Solomon was speaking over here. Alors Salomon parlait ici. Because he himself tasted it. Parce que lui-même il a goûté à cela. He's talking about the success, the secret of his success. Il était en train de parler du secret de son succès. The secret of behind his breakthrough. Le secret qui se trouve à l'ombre de son succès. Was that? C'est ce qu'il est en train de dire. That he honored God, qu'il honore Dieu. He has honored God, il a honoré Dieu. With what he have, avec ce qu'il a. And any increase that came later, et toute croissance qui vient par la suite. He continue to honor God with il them. Continue d'honorer Dieu avec cette croissance. Praise the Lord. Alléluia. And Solomon saw, et Salomon a su. As he continued doing it, que pendant qu'il continuait de le faire. God continued to bring increase to him. Dieu aussi a continué de lui apporter la croissance. Increase come because what he give to God, first of all, he respects what he gives to God. La croissance est venue parce que d'abord lui-même il respecte ce qu'il donne. Ce he qu'il respects donne what he gives to God. Ce qu'il donne à Dieu. And God also respects it. Et Dieu aussi respecte ce qu'il lui donne. And at the course of the day, et donc au fur et à mesure que le temps avance, God continue to bring increase to Solomon. Dieu continue d'apporter la croissance dans la vie de Salomon. Praise the Lord. Hallelujah. Prayer will not bring increase. La prière n'apportera pas la croissance. Prayer have its work to do. La prière a son travail. Prayer. Solomon offered the sacrifice to God. La prière. Pardon. Salomon a offert les sacrifices he à Dieu. He didn't go and pray. Il n'a pas allé prier. But God came to him. Mais Dieu est venu quand même. He said, "What do you want?" Et lui a demandé, qu'est-ce que tu tell veux? Me, I the Lord will do it for dis-moi, you. Et moi le Seigneur je vais le faire et pour Solomon toi. Solomon said, "I need wisdom." Et il a dit à Dieu, je veux la sagesse. Because money is in wisdom. Parce que l'argent est dans la sagesse. And if you have wisdom. Si tu as la sagesse, he can handle what God will give to him. Tu sauras gérer, il saura gérer ce que Dieu lui donne et God te lui donnera. Said, you don't like money. Et donc Dieu lui a dit, you don't like money. Tu ne veux pas l'argent. Give me wisdom. Je vais te donner la sagesse. He said, give me wisdom. Il dit, donne-moi la sagesse. You don't like money. Tu ne veux pas l'argent. He said, give me wisdom. Il dit, donne-moi la sagesse. And then God said, I will add everything to it. Et Dieu a dit, je vais tout ajouter même. So he became a rich person. Et donc il est devenu l'homme le plus riche. But in his richness, mais dans sa richesse, he continued serving God. Il a continué de servir Dieu. In sacrifice, dans les sacrifices, and in offering, et dans les offrandes. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And the Lord also respect him. Et le Seigneur aussi l'a respecté. He never go to war. Il n'est jamais allé en guerre. But the father was restless king. Mais son père était un roi sans repos. The father who was the God of heart was a restless man. Son père qui était l'homme selon le cœur de Dieu était un homme qui n'avait pas de repos. Every day King David is going for war. À chaque fois où le roi on dit il allait en guerre. He don't have peace. Il est tout en guerre. Où est le roi il allait en guerre. You know that God can bless somebody. Est-ce que vous savez que Dieu peut bénir quelqu'un? But another thing also to put rest in a blessing. Et c'est une autre chose aussi d'ajouter le repos dans la bénédiction de la personne. It's two. C'est deux choses. God can bless you. Dieu peut te bénir. Peace. La paix. You may have it. Tu peux but you don't have peace. Tu peux avoir la bénédiction et sans avoir la paix. But that was the case of David. Ce fut le cas de David. David have the blessing. David avait la bénédiction. But there was no peace. Mais il n'avait pas la paix. Bible call him the restless man. La Bible l'appelle l'homme sans repos. And then Solomon. Et Salomon became king, est devenu roi. God bless him, Dieu l'a béni. And God added peace, et Dieu a ajouté le repos. Dieu a ajouté la paix. La paix. La paix. And this is the man speaking to you. Et c'est cet homme qui est en train de te parler. It is this one that you have to listen. Et c'est cet homme-là que tu dois écouter. So that you resemble him. Pour que tu lui ressembles. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So he respects God. God respects him. Alors il a respecté Dieu. Because Dieu l'a respecté aussi. In what we give to God. Il a marché. Believers, in what we give to God. Bien aimé, dans ce que nous donnons à Dieu. First of all, we must respect that thing. En premier lieu, nous-mêmes nous devrons respecter cette chose. D'abord, you have to value it. Tu dois donner you la have valeur. To respect it. Tu dois respecter. Before you send it. Avant que tu n'envoies. It might be something that you don't need it. No. Ça ne doit pas être quelque chose dont tu n'as pas besoin. So let me throw it away. Oh, que je me sépare de ça, que je jette ça quelque part là-bas. It must not be that. Ça ne doit pas être ce genre de choses. It must not be when I have excess. Ça ne doit pas être quand j'aurai beaucoup. Because he said,
Honor the Lord with your substances. Parce qu'il dit honore le Seigneur avec ta substance. Then he said, increase will come. Et il dit la croissance va suivre. So increase will not come before donc, you give. Donc la croissance what ne va pas respect. Venir avant de donner ce que tu respectes. It will not come. Ça ne viendra pas. C'est comme ça qu'il a dit ici. Est-ce que c'est ce qu'il a dit ici? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de ton revenu. Uh-huh. Le verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Praise the Lord. Alléluia. And there shall be increase. Et il y aura la croissance. Believers in our time, we turn it. Mais bien aimé, les croyants, de nos jours, on a inversé les choses. There is a problem. Il y a un problème. Christians of today. Les chrétiens d'aujourd'hui. Jesus has seek first the kingdom of God. Jésus a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. And then all things in the kingdom will be given et to you. Et toutes les choses dans le royaume te sera donné. We say no, give all things in the kingdom to me. Mais first. On dit, donne-nous d'abord tout ce qu'il y a dans le royaume. Amen. D'abord. That is believers mind, no? Ça c'est la pensée des croyants. Christians mind. La pensée des chrétiens. Jesus said. Jésus dit, first give. Premièrement, is it? D'abord, do what? Fais quoi? Cherche. Seek first. Premièrement, the kingdom. Le royaume. Everything in the kingdom will be yours. Et tout ce qui est dans le royaume va t'appartenir. Aussi. Mais tu dis? Aussi non? Non. I will not go there to pick it. Je ne vais pas aller dans le royaume là-bas pour prendre. But let the kingdom mais bring it. Toi, laisse-moi être ici, mais permets que tout ce qui est dans le royaume vienne me trouver où je suis. Vas-y, I didn't know what I was going to do. Mais il dit, mais débrouille-toi, va à l'hôtel, ça se trouve là-bas, va prendre. You have to enter into the family. C'est d'entrer dans la famille, entre dans la famille. Be in the family. Sois dans la famille. And profit not a single thing, but everything that is here is yours. Et profite pas seulement d'un fauteuil, mais de tout ce qui se trouve là. So, as soon as you enter here, à supposer que tu entres ici, and I give you et je te donne un micro. Now the puppet belongs to you. Le puppet t'appartient. You have the microphone. Tu as un micro. Now you have access to the puppet. Tu as accès naturellement au puppet. You have access to the voice, the speakers, everything. Tu as accès aux baffes qui sont là. You can touch everything that is here. Tu peux toucher aux fruits, but tout ce qui est. But as you sit now, if I don't give you instruction, you cannot pick it. Mais où tu es assis, si je n'ai pas donné l'instruction, tu peux pas venir prendre. Can you come and sit? Est-ce que tu peux venir prendre le micro, te mettre là à prêcher? Unless I give you, unless à moins que je te donne. You enter, you are with me. À moins que tu sois avec moi, que tu entres ici. And be with me first. Sois avec moi d'abord. And if you are with me, si tu es avec moi, not only the pulpit will be profitable to you. Ça sera pas seulement le pulpit qui te sera profitable. Will be profitable to you. Qui sera profitable. But everything that is here, mais tout ce qui se trouve ici, you have this. Tu auras ceci. You have this. Tu auras l'autre. You have this right. Tu auras cette you fleur. Can walk everywhere. Tu peux marcher partout. You can sit everywhere that tu peux you t'asseoir love. Partout où tu peux. You can do everything. Tu peux faire tout you ce sit tu here, peux. You can là, touch it, toucher oh, ceci. Now you are here, everything belongs to maintenant you. Que tu es là-haut, tu es là, tout appartient, tout est à believers, Christians said no. Mais les croyants. Me, I will not enter into the family. Le croyant dit, moi je ne vais pas entrer là-bas. But give it to me. Mais il faut me le donner quand même. Vous voyez que les choses ont été inversées. Les choses ont été changées. Et tout a été renversé. Ça fait qu'on souffre dans la vie chrétienne pratique. Amen. Amen. Here is the word here. He said, voici la parole de Dieu ici. He said, with your substances, respect God with them. Et dit avec ta substance, respecte Dieu avec ta substance. With your possession. Avec ta possession. And God will bring increase. Et Dieu va apporter la croissance. He said, no, God bring increase. C'est, mais tu dis Dieu apporte la croissance. The believer said, not you alone. No, c'est pas vous seulement, je parle aux croyants en général. Bring increase. When increase come, yeah. Quand la croissance va venir, oh, oui, quand la croissance va venir. No, first thing in account we say first in first out. Dans la comptabilité on dit première entrée première sortie. And then economics opportunity cost scale of reference in economics. Là papa en train de faire entrer dans des thèmes. Hallelujah. Hallelujah. First in first out. Donc première sortie puis en première entrée. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This is what God is expecting from us. From et donc voici ce à quoi Dieu s'attend de nous. He said, come to me. Il dit, venez à moi. And when you come to me, quand vous allez venir, I will give you rest. Je vais vous donner le he repos. Said, give me rest. Tu dis, donne-moi le repos. And then I will sit in you. Mais je vais m'asseoir par la suite en toi.
Our relationship with God, notre relation avec Dieu, is not based upon contract. N'est pas basée sur un contrat. A contract has a time of inspiration. Un contrat a un temps d'inspiration. And our walk with God, notre marche avec Dieu, is not based upon contract. N'est pas basée sur un contrat. But it is founded on relationship. Mais c'est fondé sur la relation. And relationship, et la relation has no date of inspiration. N'a pas de jour d'expiration. But relationship is a covenant. La relation est une alliance. Je me nomme Monsieur Kwame. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur, le prophète Papa Tété et sa femme Madame Tété. Personnellement, mon témoignage, hier on s'est très court. Peut-être la prochaine fois, quand je serai avec tout le monde, on va mes trucs. Bon, au fait, la semaine passée, puisque moi je vis chez mes beaux-parents. J'ai eu des problèmes dans mes affaires. J'avais beaucoup d'argent avant. Mais j'ai eu des problèmes dans mes affaires. C'est comme ça que ma belle famille m'a rappelé à Yopougon. Sinon, ils vivaient tout en Cocody ici. Ils m'ont dit, bon, viens rester ici, ça va pas, viens rester là. Je me débrouille un peu, je suis mes affaires un peu. Mais la semaine passée, vous voyez, le temps de Noël, je n'avais même pas mis fin. Ce qui fait que quand je suis couché dans la chambre, quand on met les publicités de Joyeux Noël, je demande à ma fille de zapper, d'aller sur la 2. Elle se moquait de moi. Elle dit, papa, tu veux pas qu'on voie. Donc, du coup, j'ai dit, bon, il n'y a rien. Ça, moi aussi, se moquait de moi. Donc, j'étais là. Oh, j'avais des affaires en cours. Mais je ne savais pas quand est-ce que ça pouvait aboutir. Donc, j'étais là. Et je suis allé. J'ai eu une affaire de près de 500 millions en cours. Et j'ai un ami qui devait venir, prendre son billet d'avion, venir, pour qu'on on puisse commencer l'affaire. Il est venu, et j'ai un autre partenaire ici, il est venu, après il m'a regardé, il dit, bon, quelques jours après, il a appelé mon ami pour dire, ah, ton affaire là, c'est bizarre, bon, moi-même, c'est pas la peine. Ah, il dit, mais c'est quelle histoire ça là? Affaire, peut-être, il y aura une commission, peut-être, de moins 50 millions, bon. Mais bizarrement, mon ami et moi, on n'a pas réagi. Oh, d'habitude, on est bandit, on peut faire pas là même. Bon, on a laissé ça comme ça. Bon. Je suis sorti. Je suis allé. Je suis rentré tout découragé. Quand j'allais au travail, je suis rentré tout découragé. Le jour que je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à crier sur ma fille. Ma femme dit, il y a quoi? Il dit, non, je suis pas du bon humeur. Après, elle m'a appelé de côté, elle dit, faut te calmer. Hein? Calme-toi. Ah, toi aussi. Donc, je n'ai rien dit le lendemain. J'étais dans la douche, mon téléphone sonne. Et on me dit, ah, c'est ça que l'affaire, on peut faire, non? J'ai dit, ah, l'affaire, on peut faire. Et là, dis-lui, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis rentré dans la chambre, j'ai pris, j'ai demandé l'huile d'onction. Oh, l'huile d'onction, je ne l'ai jamais demandé à ma femme, hein. J'ai dit, mais ça est où? Elle dit, non, ça est quelque part là. J'ai dit, moi-même, j'ai fouillé. Elle me parlait, puis elle avait l'enfant. J'ai pris, j'ai fait une croix comme ça, j'ai mis dans ma main. Ça signifie qu'à chaque fois ta femme te parle de la verge, de l'huile, mais tu ne prends pas ça au sérieux. Mais ce jour-là, oui,
J'allais prier, faire ça. Or, ce qui m'attendait, c'était autre chose, au fait. Quand je suis parti, il y avait une affaire en cours. C'est lui-même les 500 millions, là. On a laissé. Il y avait un autre qui était là. Maintenant que je suis parti, mon ami m'a appelé encore. Il m'a dit, ah, c'est ça que le truc, tu avais une autre affaire, là. On a laissé en stand-by, là. C'est que ça marche maintenant, non? À ce moment, il me reste 3 jours de Noël. J'ai commencé à tourner sur moi, comme ça. J'ai commencé à marcher de Yopougon Trois Rouges. Et quand Yopougon Nouveau Quartier. Et quand je suis arrivé, je n'ai rien dit à ma femme aussi. En affaire, les gars disent, bon, au début, on va vous donner 2 400 000. 2 400 000, allez chercher ça à 13 villes. À 13 villes, nous sommes arrivés, on était là, et puis le Sénégalais, là, il a pris l'argent, il dit, bon, voilà l'argent là qui est là. J'attends qu'on me confirme le code. Et puis bon, je vais vous donner votre argent. Maintenant, les amis qui sont là-bas, là, un coup sur la route, bon, on était là, on dit, bon, allez prendre un peu de café. On était là, et puis, on appelle mon ami pour lui dire que là, il reste dans le taxi. Je n'ai même pas 1000 francs sur moi. Là, j'ai resté dans le taxi. J'ai commencé à marcher. Mon ami dit, mais yo, on prend un taxi ou parti? J'ai dit, ah, ok. Donc, on prend le taxi, on arrive. Les mêmes gars arrivent, les intermédiaires arrivent, on discute un peu. Bon, on n'est pas fâché bizarrement. On dit, il n'y a pas de problème. Peut-être demain, lundi, il n'y a pas de souci. La nuit, j'arrive, j'ai dit à ma femme que, ah, tu sais que 2 millions, on allait prendre là. C'est resté dans le taxi. Ma femme a dit diarrhée en même temps. Il a mis son lâche dessus. Hein? C'est ça. Hein? Oh. Où tout le calcul avait été déjà fait? Tu es en train de parler de quoi là? C'est affaire sérieuse de quelqu'un, tu es en train de rire là. Frère, on t'écoute. Donc, le lundi matin, bon, dans le dimanche, mon ami et moi, on planifie un truc, on dit, demain là, comment on va bien nos enfants? Voilà, fête. Tout est bizarre. On a fait quoi Dieu même? Bon, là même, j'ai commencé à penser au village, aux gens bizarres là. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de drap. Lundi 8h, mon téléphone sonne. C'est mon ami. Il dit, tu es où? Il dit, non, je suis à la maison. Il dit, ok. Va tout à l'heure, quelque part, dans un coin de transfert d'argent, va te mettre là-bas, je t'appelle tout à l'heure, tu vas prendre 2 millions, ok? Aïe! Oh, bien aimé, c'est de cette façon que tu rends grâce au Seigneur. Hey, toi qui n'as pas d'espoir, mais juste en sortant de ce lieu, tu seras surpris par une nouvelle incroyable. Mais ta femme est où? Ta femme est où? Où est ta femme? Où est ta femme? Où est madame? Donc, dans les 2 millions, moi-même, j'ai marché pour ne pas. Je me suis dit que peut-être tout le monde me regardait, j'allais braquer l'argent. Là, j'ai commencé à marcher comme si de rien n'était. Il n'y avait rien sur moi. Et ça lui a pris le premier taxi. Je suis parti rejoindre mon ami. Quand on a fini les partages, il y a eu 600 000. Les 600 000 francs que je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé ma femme. Elle était là accompagner ma fille pour suivre les cours. Donc, j'ai pas fait les transferts d'argent pour les différentes personnes que je devais envoyer un peu d'argent et tout ça. Et puis, je l'ai croisé sur la route. Et quand elle m'a vu, elle dit, tu vas où? Elle dit, non, il vient à Orange Money là. Donc, il sait que du coup, c'est une femme, elle a compris qu'il y avait quelque chose de bien. Quelqu'un n'a pas 1000 francs, il dit, ça va faire Orange Money pour qui? Donc, maintenant, elle m'a suivi dans le coin d'Orange Money là. Quand je suis venu, elle a parlé de sa dépense. Elle dit, mais il dit non, ça c'est rien d'abord. Ça c'est rien. Alléluia. C'est ça. Donc, c'est dépensé. Calme-toi avec ton budget. Voilà. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai remis tout son argent qu'elle voulait. Moi-même, avec les dispatching et tout ça, j'ai prévu des trucs, les dépenses futures et tout ça. Tout à fait 500 et quelques mille que j'ai remis dans sa main. Moi-même, il me reste jusque 70 000 francs ou, je ne sais même pas, 80 000 pour mes courses. Après, quand j'ai fini ça, je comptais sur rien encore. Et j'allais me coiffer. Quand j'allais me coiffer, à la coiffure, mon téléphone sonne. Le même téléphone sonne. Le même téléphone sonne. N'oublie pas qu'avant ça, il a utilisé la verge pour faire la croix sur son front. Donc la verge est encore sur le front là. Donc on continue. Hey, mon ami dit, mais est-ce que tu es bien arrêté sur tes pieds? Je dis non. Et ça, il n'y a pas encore dit à ma femme, hein. C'est maintenant qu'il lui dit. Aïe! Hey! Oui, bien, femme. Alléluia! Hey! Alléluia! Salut, le de moi, Jesus Christ. Lève-toi, et fais de prier pour Jésus.
Jésus Christ. Et mon téléphone sonne. Mon ami, mon même ami, mon associé de travail, il dit, mais hey, tu sais que notre affaire là, ton affaire que toi-même t'as fait là, les gens disent que ton affaire là, ça peut leur rapporter 3 milliards de francs CFA. Donc toi, par rapport à toi, ta commission, et quand on se calme d'abord, et puis on se calme, il a pris mon taxi, et non, là cette fois-ci, il n'était pas paniqué, il s'est allé les rejoindre, on a vu comment planifier et tout. Maintenant, oh, moi, dans le temps, quand ma femme m'envoyait ici, c'est maman, c'était que je suis venu voir dans une cellule, parce que c'était le mardi, clinique, voilà. En ce temps-là, moi j'avais une affaire de près de 50 millions, mais il a dit à maman, ah, moi je suis venu, je suis un homme d'affaires, voilà, voilà. Maman ne m'a même pas énuméré l'affaire des 50 millions. Oh, c'était, l'affaire devait venir, les gens devaient venir remettre 50 millions, j'allais avoir peut-être 13 millions pour ma commission. Elle m'a dit, tu auras une affaire où ils vont te doubler sur la première affaire, mais le reste là, ça va venir. Et hey! Les 2 400 000, j'ai pensé automatiquement à maman qu'elle a dit, ils vont te doubler. Le jour là, j'ai dit, mais attends, elle me raconte quoi, cette dame là? Tu vois un peu? Mais, tu vois, donc là, nous sommes sur l'affaire de 3 milliards et quelques. Je me dis, c'est Dieu qui est grand. Mais comme je voulais attendre que ça finisse pour qu'il vienne tout le monde venir, tout bon. Comme le vieux a dit, je ne voulais pas la malédiction d'être préféré. Yamishra. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je bénis le nom de Dieu et tout ça. Je remercie papa Tété, je remercie toute l'église, voilà, maman. Voilà, et pour là, maman Charlotte, Yamishra. Voilà, maman Charlotte. Kreneka, oui, voilà. C'est ma joie qu'elle a et c'est mon témoignage. Je remercie tout le monde. Our relationship with God, notre relation avec Dieu, is not based upon contract. N'est pas basé sur un contrat. A contract have a time of inspiration. Un contrat a un temps d'inspiration. And our walk with God, notre marche avec Dieu, is not based upon contract. N'est pas basé sur un contrat. But it is founded on relationship. Mais c'est fondé sur la relation. And relationship, et la relation, has no date of inspiration. N'a pas de jour d'expiration. Relationship is a covenant. La relation est une alliance.